Eh bien, salut à tous. Dans cette vidéo sur Genshin Impact, on va parler de Zhongli, mais pas de manière commune parce que j'aimerais vous présenter Zhongli Cryo. Alors oui, je sais que ça peut paraître bizarre, et cette vidéo n'a pas pour but d'être sérieux sur la méta, à moins que. Donc alors, j'aimerais vous présenter mon Zhongli Cryo, que j'ai pu jouer plusieurs jours. J'ai fait les abysses 12 avec, j'ai clear les abysses 12 avec. Je vous le montrerai avec divers clips, mais maintenant j'aimerais aussi vous montrer un petit peu en direct ce que peut faire le personnage. Mais avant ça, laissez-moi au moins vous montrer avec qui je vais le jouer et comment je les build surtout. Alors, mon Zhongli est niveau 80 sur 80, il n'est donc pas éveillé 90. Ce n'est pas si grave dans le sens où je veux le jouer DPS, donc l'éveil Géo n'est pas très important vu qu'il va taper Cryo. En termes d'armes, je le joue avec le bâton de Oma pour les dégâts critiques, pour les HP, donc pour quand même le bouclier, et donc aussi pour les damage, hein, c'est beaucoup de dégâts. Il est C0. Je suis 8-8-8 en aptitude, le maximum au niveau 80. J'aurais pu forcer et augmenter l'attaque auto parce que c'est avec ça qu'on va taper. J'ai pas voulu non plus trop en faire, donc c'est pas très grave. Et en artefact, il est en 4 pièces chez Menawa, mais il y a plusieurs variantes. Donc, je vais vous montrer celle-ci, et puis après, je vous montrerai du coup la seconde. Donc, la première variante est chez Menawa 4 pièces. Ici, l'ulti n'est pas utilisé, c'est vraiment le pur DPS avec l'attaque auto. Je joue avec un casque taux critique, avec attaque, dégâts critiques, donc vraiment les substats qu'on prend pour un DPS standard. Une coupe Cryo, évidemment, on tape Cryo grâce à Chongyun, j'en parlerai un peu après du combo, un sablier attaque pourcent sur Zhongli, la plume, ainsi du coup que la fleur. Voilà tout. Maintenant, en termes de stats, il a donc quasiment 2300 attaques, il a 61 TC, 205 dégâts critiques et aucune R, parce que finalement on ne fait quasiment pas l'ulti, et dans tous les cas, cette Zhongli a un coup à 40, donc même si on la faisait avec ce build-là, ça ne serait pas très grave. Et donc, il a aussi 46 dégâts Cryo, merci à la coupe Cryo, par contre, bah, les dégâts Géo sont quasiment inutile sur lui. Ça, c'est le build quand je le joue avec cette team précise. La team Yunjin, Shenhe, Chongyun. Ici, le but est simple, c'est donc de booster au maximum Zhongli avec l'ulti de Yunjin, avec la compétence de Shenhe, et puis appliquer la zone de Chongyun pour taper Cryo, et Zhongli fera beaucoup de dégâts. Le but est vraiment de se centrer sur les dégâts purs de Zhongli. Mais cela dit, ce n'est pas la team la plus efficace. C'est la team peut-être la plus impressionnante, mais pas la plus efficace. La plus efficace, c'est simplement en fait d'enlever Yunjin et de mettre Kazuha. Dans ce cas-là, mon Zhongli va changer de build. Je vais tout simplement lui mettre cette fleur-là. C'est à peu près tout pour qu'il passe attaque Hashiminawa. Parce qu'en fait, ici, je vais utiliser l'ulti. Tout simplement. Donc, je perdrai mes points de dégâts sur l'attaque normale de Zhongli. Mais je pourrai ulti et ça permettra aussi de swap sur Kazuha, Shenhe et Chongyun. Voilà. Donc, mon Zhongli ici a les mêmes artefacts quasiment, il a 2300 attaques, 68 TC, 205 dégâts critiques, toujours 100% de R et toujours 46% de dégâts cryo. J'ai juste enlevé les 4 pièces chez Menawa, ici. Chongyun, lui, est dans cette noble. Shenhe, elle est juste là pour booster, donc le set importe peu. Kazuha en 4 pièces Varchasseuse pour baisser la résistance. Et Yunjin en 4 pièces Coquille des Rêves Opulents pour bah, le bonus de défense pour qu'elle puisse faire plus de points de dégâts à mon Zhongli. Pour vous rappeler vite fait comment ça marche, ce qui est bien en fait, c'est que Shenhe et Yunjin confèrent des stacks à Zhongli. En fait, ces stacks-là font en sorte que, pour Shenhe, si vous faites un E maintenu, les 7 prochains coups cryo de Zhongli feront des dégâts en plus en fonction de l'attaque de Shenhe. Pareillement pour Yunjin, mais Yunjin, c'est plus de coups avec son ulti. Et en fait, le truc, c'est que ces buffs-là, chaque fois qu'un coup touche un ennemi, c'est considéré comme une charge consommée. Et Zhongli, je vous rappelle qu'en termes de moveset, il a ce moveset-là. Vous voyez justement quand la lance tournoie, ça fait plein de petits coups, plein de multi-hits qui vont compter pour les stacks de Shenhe et les stacks de Yunjin. Ainsi, vous allez dépenser très très rapidement les stacks de Yunjin Shenhe, donc vous ferez un maximum de dégâts en un court laps de temps avec Zhongli et vous pourrez du coup switch sur vos autres personnages. Donc c'est assez cool. Cependant, il ne faut pas non plus négliger l'attaque chargée de Zhongli parce que, effectivement, celle-ci fait mal. En plus, vous pouvez du coup la cancel en sautant pour aller moins loin. Ce qui peut être cool, et vous allez voir notamment que dans les rotations optimales, même si j'ai dit que l'attaque normale était la plus kiffante, notamment avec Yunjin, en fait, je vais plus avoir tendance à faire l'attaque chargée pour faire de gros dégâts pour switch sur d'autres personnages après. Ici, je m'apprête du coup à vous montrer la team Fun en temps réel contre le Géosaur, avec la variante avec Yunjin,
qui pour moi est la moins puissante et qui se base vraiment sur les attaques normales de Zhongli. Puis après on ira voir la variante avec Kazuha, et cette fois je ferai des attaques chargées principalement avec Zhongli. Donc, E maintenu de Zhongli. J'attends un peu, je tape avec Chen E pour monter les stacks de lance de Jade. Je vais ulti Chen E maintenu Chen E, ulti Chongyun, zone de Chongyun, je pose Yunjin, je fais le E de Zhongli, je dash. Voilà, allez, on refait la même rotation. Hop. E maintenu, on met la zone, le shield. Et là, je reprends Chongyun. Et ça devrait être la fin. Hop. Donc, en gros, ici, quel était le cycle? Vous avez vu que Zhongli, certes, fait des points de dégâts, mais on n'est pas toujours que sur lui. Zhongli, en fait, comme je vous l'ai dit, il est là pour consommer rapidement les stacks de Chen E Yunjin. En fait, on a plusieurs améliorations ici. Vous avez donc l'ulti de Chen E, qui va baisser la reste physique et reste cryo de l'ennemi, et qui va aussi augmenter les dégâts cryo. Donc c'est un buff pour toute la team Zhongli, Chen E, Chongyun. Le E maintenu de Chen E va conférer les stacks à toute la team et va en plus augmenter de 15% les dégâts attaques normales chargées, donc parfait pour notre Zhongli. Chongyun dans cette noble va augmenter l'attaque de Zhongli et de toute la team en général. Son E va également baisser le temps de recharge de toute la team et va aussi infuser leur attaque en cryo. Yunjin avec son ulti va conférer des stacks à toute la team avec leur attaque normale. Ici ensuite Zhongli va switch et son E maintenu pour déclencher les 7 Shimenawa et va donc taper rapidement avec ses multi-hits pour déclencher rapidement les stacks conférés par le pénage glacé de Chen E et par l'ulti de Yunjin, et fera donc des bons dégâts, allant de 15 000 à 25 000 x 7, et puis après on switch. Maintenant on est parti avec la variante avec Kazuha à la place de Yunjin, c'est selon moi celle qui est la plus optimisée. Ici vous verrez moins d'attaques normales et plus d'attaques chargées avec Zhongli. Également je ne joue pas en cette Shimenawa, donc je peux ulti ici. Donc on va commencer, je vais E avec Zhongli, je vais taper avec Chen E pour build les stacks. Normalement, j'ai un peu à attendre hein, qu'on puisse le taper. Ulti Chen E, hop, E maintenu, E Kazuha, ulti Kazuha, E Kazuha à nouveau, Chongyun ulti, hop, attaque chargée de Chongyun de Zhongli. Trois fois, et là j'ulti. Hop, on remet tout ça. Bon là du coup, il prend beaucoup de dégâts, et là du coup normalement c'est la fin. Ici je trouve la rotation plus optimisée, mais elle est encore plus en fait en multi-cible, et vous le verrez en Abyss, parce que vraiment c'est très puissant ce qu'on peut apporter sur le terrain avec cette compo, et ça sera à mon avis plus compréhensible en Abyss. En fait ici, il faut bien prendre en compte que Zhongli, il faut avoir l'ulti, donc le jouer en Shimenawa, c'est pas conseillé, il faut vraiment pouvoir ulti, donc là un 2 cryo de attaque marche, un double attaque marche également, pourquoi pas. Vous avez plusieurs boosts. Chen E qui va toujours baisser la res cryo et augmenter les dégâts cryo avec son ulti. Augmenter les dégâts attaque normale chargée avec son E maintenu. Kazuha lui ensuite va E pour dispersion cryo, baisser la résistance cryo des ennemis avec le 4 pièces vertes chasseuse. Ainsi qu'augmenter les dégâts élémentaires cryo de toute la team avec son passif. Il va également absorber le cryo de Chen E pour pouvoir faire un vortex cryo et donc profiter des penages glacés de Chen E et donc les déclencher. Ensuite Chongyun va déclencher l'ulti pour le noble, qui va aussi déclencher le pénage glacé de Chen E, puis la zone de Chongyun. Zhongli ici pourra faire une attaque chargée, parce que c'est ça en fait la différence, c'est qu'au lieu de trop se reposer sur l'attaque normale et de perdre un peu de temps, on va faire attaque chargée pour les dégâts multi-cibles, même si cela se consomme plus rapidement, c'est efficace, et puis après on re-switch sur Kazuha, Chen E, Chongyun, ce qu'on a de disponible, et on est parti. Par contre, j'ai noté qu'il y a quelques trous dans le DPS avec cette team, on va dire de l'ordre de 1 à 2 secondes. Donc il faut boucher un peu les trous, parfois juste faire des autos avec Zhongli, même si on n'a plus de panache glacé. Écoutez, en étant tout à fait honnête, l'éclair time était plus que satisfaisant. J'éclaire la partie 1 en moins d'une minute, ce qui est quand même plutôt pas mal. J'éclaire le 12-2 partie 1 en 30-35 secondes. Et j'éclaire le 12-3 partie 1, donc le floor qui est censé prendre le plus de temps, en 1 minute 10 environ. Ce qui est de très bons temps. Alors évidemment, ici, Kazuha, Chen E, Chongyun y sont pour beaucoup, dans le sens où si j'enlève Zhongli pour mettre un autre personnage, on aura aussi de bons résultats. Mais néanmoins, les dégâts que Zhongli inflige ne sont pas négligés parce qu'on parle ici, et ce sans boost quelconque concernant l'attaque normale ou chargée de Zhongli, vu que j'ai que des boosts sur le déchaînement élémentaire, eh bien Zhongli faisait du 40 à 50 000 points de dégâts par attaque chargée, sachant que je pouvais le faire donc jusqu'à 3 attaques chargées. C'est quand même plutôt conséquent et plutôt rapide honnêtement.
en plus du coup du shield apporté par Zhongli et du contrôle par la météore. Alors certes, il y a la corrosion, donc ça peut vous jouer des tours, mais je trouve ça satisfaisant et de plutôt bons dégâts en abysse, et même clairement en open world, de plutôt bons dégâts. Donc je ne dirais pas que ça concurrence les teams les plus populaires, évidemment, mais ça reste très propre. Le plus gros défaut serait évidemment du coup que plus il y a d'ennemis, moins la team est efficace. Mais ça c'est aussi la faute de Shan E, et c'est aussi la faute de Zhongli qui en plus est aussi très très mono-cible. Mais néanmoins j'ai trouvé la team forte, mais en plus il n'y a pas que ça. Si par chance ou par autre chose, vous possédez la constellation 6 de Shan E, ça va être une tuerie. Parce que effectivement, la C6 de Shan E permet à votre attaque normale de ne pas consommer les stacks de penage glacé. Ainsi, Zhongli peut totalement ignorer ou quasiment totalement ignorer la mécanique. Et pendant toute la durée, donc les 15 secondes, vous pouvez avec Zhongli dans la zone de Chongyun taper en cryo avec vos attaques normales et faire des attaques chargées de temps en temps. Et ça peut être incroyable. Vous ferez des rotations folles et niveau dégâts, on serait très très bien. Alors évidemment, si on enlevait Zhongli et qu'on mettait Ayaka à la place, eh bien Ayaka ferait bien plus mal. Mais c'est quand même à noter. Par contre, Shan EC6, je sais que la plupart des gens qui regardent la vidéo ne l'ont pas, mais si vous possédez Shan EC6, franchement, tentez Zhongli, Cryo, et même si vous ne possédez pas Shan EC6, uniquement C0 ou un peu plus, eh bien, je vous invite à tester Zhongli, Cryo, parce que ça peut être fun, et ça permet en fait de profiter du moveset de Zhongli, des attaques normales, et ça, c'est assez intéressant. Donc finalement, la variante avec Yunjin, elle est juste fun pour attaque normale, mais en termes d'opti, je la trouve beaucoup moins puissante que juste mettre Kazuha et plus faire des attaques chargées avec Zhongli. En fait, voilà, avec Yunjin, je trouve qu'en Abyss, c'est trop de temps de setup et donc pas de dégâts en attendant. Le temps qu'en fait vous fassiez une Jin qui setup Shan E, Shangyun, il n'y a pas énormément de dégâts par rapport à un Kazuha qui est dans la team. Et donc vous mettez trop de temps à setup votre Zhongli et vous perdez trop de temps dans les rotations. Et c'est pour moi pas trop rentable sur le long terme. Mais c'est juste marrant sur le court terme. Et puis voilà, écoutez, du coup c'était mon petit showcase. J'espère qu'il vous a plu. Je sors très peu ce genre de vidéo avec des builds exotiques. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas tirer parti de l'attaque auto de Zhongli? À défaut de jouer en DPS physique, et bien maintenant on le joue en DPS cryo. Je pense même qu'avec un Bennett C6, on pourrait tenter le DPS Pyro, mais Bennett C6, je ne suis pas encore assez fou pour l'avoir activé. En tout cas, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'est une vidéo fun, mais en même temps qui soulève quelques interrogations sur Zhongli Cryo, parce que c'est marrant, je trouve, de le jouer, mais en plus, c'est pas du tout dégueu en termes de clear time et de performance. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire sur la compo et sur le personnage en cryo. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Il est en description mon Twitter, ma chaîne Twitch et mon Discord. On se dit à la prochaine, portez-vous bien et à plus.